Le premier soulagement, c'est qu'ils ont écarté la direction chinoise, qui n'a plus à voir avec le Pleaserol. Donc ça, pour nous, c'était très important, parce qu'on ne voulait plus travailler avec ces gens-là. Nous sommes en redressement judiciaire pour une période de surveillance de 2 mois, gérée par 2 administrateurs. Ça sera à eux de retrouver un repreneur. Je pense qu'il y a des repreneurs qui sont sur les rangs. Nos échos nous disent que nous avons toujours le monsieur Bitard qui souhaite acquérir Pleaserol. On espère. C'est à nous maintenant de faire nos preuves, d'être encore solidaires entre nous pour qu'on puisse durer 2 mois. Mais c'est vrai que c'est un très grand soulagement de ne plus avoir affaire à la direction chinoise.